Waiting, but I'm afraid my walk has become rather sillier recently, and so it takes me rather long. Now then, what was it again? Well, sir, I have a silly walk. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était printemps. Je les fais tous. En même temps. Remarquez une chose, docteur, c'est que les poules, elles font pareil que nous. Ah ! Nous avons tous, d'une certaine manière, d'éthique. Quand on redistribue sa coiffure, quand on réorganise son regard. Ça, c'est la virgule. On a une manière d'agir qui échappe à notre entendement et à notre conscience. C'est un tic, d'une certaine manière, c'est du domaine de l'inconscient. C'est un problème mystico-phallique. Ça, c'est le point. Moi, je crois que les tics, ça vient la nuit. Donc. Là, je... Est-ce que je suis réveillé? Oui, je suis réveillé, oui. Donc je suis réveillé. Et voilà, ça fait trois fois, hein? Voilà. Donc trois fois... Allez, une, deux, trois. Moi, mon tic, c'est un toc. Les tocs, c'est une sorte de tic du cerveau. Les tocs, c'est l'abréviation des troubles obsessionnels compulsifs qui se caractérisent par l'association d'obsession et de compulsion. Ces troubles obsessionnels compulsifs, c'est des choses qui se passent tous les jours. Ce sont des choses que les gens font tous les jours. Voilà, les deux yeux sont ouverts et là, je réfléchis, donc c'est bon. Le problème, c'est que ce réveil est mal placé. Oh là là. Mais comment j'ai pu faire ça, moi? Mal placé. Encore une fois, allez, on touche. Et maintenant, il faut pas que je triche, hein. Il faut pas que je triche. Voilà, je mets bien le réveil et il faut que je m'endorme maintenant. Oui, parce que... Première question, où commence et où finit la folie? Chacun a des problèmes. Chacun a des difficultés. Chacun s'adapte avec effort. Quand ça se traduit
par des tensions qui poussent le sujet à agir autrement qu'il ne voudrait le faire, c'est-à-dire autrement que son contrôle lui permettrait de le faire. Alors à ce moment-là, on franchit les limites de la pathologie. Encore faut-il dire que pour qu'il y ait maladie mentale, ceci pourra paraître curieux, il faut aussi qu'il y ait un psychiatre. Car bien des troubles sont considérés parfois comme simplement des bizarreries. Donc là, je m'avance. Fais gaffe, Claude, fais gaffe, ne chute pas. Oui. Voilà, c'est bon. Là, tu avances. Bon, là, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, attention, voilà, assieds-toi bien, donc, ne triche pas, parce qu'après, tu vas chuter, je compte, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 4, 5, non, pas 3, c'est 5, tu triches pas, tu vas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est bon, doucement, 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 donc j'ai rêvé à quoi, qu'est-ce que j'ai rêvé. Le paysage change trois fois. Le paysage change trois fois. Le paysage change trois fois. C'est 2% de la population générale, donc en France plus d'un million. C'est quelqu'un qui a une pensée qui ne supporte pas et qui l'oblige à ritualiser. Les obsessions, ce sont des idées qui font intrusion dans l'esprit du sujet qu'il ne peut pas contrôler. Les compulsions, ce sont des comportements que le sujet se sent obligé d'accomplir, même si l'on reconnaît le caractère excessif ou absurde. Trouble. Obsessionnel, compulsif. Là, il faut pas que je sois en retard, mais il faut que tu comptes, hein. Non, tu comptes, hein. Tu triches pas, tu comptes, voilà. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je peux le compter? 1, 2, 3, 4. Attention, fixe. 1, 2, 3, 4. 4 et demi, 4 et 3 quarts, 5. Le malade se crée des gestes obligatoires, des gestes interdits, des pensées interdites, des pensées obligatoires. Et il tourne en rond et on rentre. Maintenant tu allumes. 1, 2, 3, 4. Tu rentres. Bon, je dois faire quoi? Nettoyer la salle de bain ou d'abord moi? Non, moi. Voilà, donc, tu laves les mains. Ah oui, tu vas pas toucher tes cheveux avec les mains sales. Vas-y. Non, les mains, c'est en bas. Oh là là. Allez vous laver! 1, 2, 3. Itch. Ni. Fun. Look at those poor germs going down the sink. Alors, ces tocs, ce sont des choses qui vous prennent des heures tous les jours. Il ne s'agit plus de vous laver les mains deux fois par jour, mais 20 fois par jour. Il ne s'agit plus de vous doucher une ou deux fois, mais de vous doucher pendant 2 ou 3 heures. Oh Dieu, j'ai rien sur moi pour me laver. Voilà. Tu mets bien la petite mèche au milieu, tu les aplatis et tu... Attends que je respire, 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, non. Art smells beautiful. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. C'est-à-dire l'expression la plus achevée du propre en ordre. Thank you.
Pourquoi tu recommences? Oh, il est fait, c'est tout, descend. Voilà, voilà, voilà. Fais-les bien, fais-les, voilà. Très bien. Ah, non, non, j'ai respecté hein, le jeu. C'est bon, voilà, c'est bon, tu descends. Je vais faire comme l'autre maintenant, comme le collègue là, comment il s'appelait? Il s'appelait Tony, je crois. Il est toujours bien rasé, voilà. Donc, il faut faire comme lui. Voilà. Donc, maintenant, tu quittes. Tu quittes. Ah, il faut à chaque fois réfléchir. Oui, tu quittes. Bon, là, maintenant, c'est bon. Il faut compter, hein. Il faut compter, voilà. Vas-y, vas-y, ça va pas prendre longtemps. Allez, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Tu commences avec le pied gauche. Tu quittes le pied gauche, hein. Toujours l'ordre. Il y a un ordre, il faut l'ordre. Il y a des patients qui sont obsédés par le rangement. Un. New World Order. Deux. New World Order. Trois. New World Order. We have a real chance at this New World Order. Guy Darbois, vous avez d'autres questions, je sais. Oui. Et il y a beaucoup de questions sur la responsabilité de la société sur les maladies mentales. C'est vrai que notre propre société fonctionne sur un mode obsessionnel. Madame, cette question vous tente? Mais là, je crois que c'est plutôt une question médicale. Enfin, c'est dans quelle mesure la société, dans son conditionnement général sociologique, est responsable sur le plan médical. En effet, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a certaines organisations, certains pays, qui empruntent ces voies. Ici, c'est propre. Ailleurs, ici ça fonctionne, c'est précis. Cela tient au fait qu'être suisse, c'est posséder un chromosome qui porte instinctivement au nettoyage. Le moindre recoin dit que l'ordre et la propreté ont ici valeur de sacrement. Pour les femmes, l'école ménagère, entre autres. Ces jeunes femmes ont tout un fiancé, paysan autant que possible. Une fois déclarées maîtresses de maison, elles se marieront et engendreront des enfants destinés à perpétuer, comme elles, l'ordre et la propreté. Voici, selon propre en ordre, l'enseignement ménager réservé aux hommes. Ça aussi, c'est propre en ordre. La propreté mobilise, dans ce pays où la brosse bondit de joie à l'idée de tout ce qu'elle va pouvoir brosser dans son existence. Or, ces images le montrent, le prouvent, il n'y a strictement rien à nettoyer. Une nation éprise de balai à ce point n'a pas le temps de penser à mal. Et si ces machines n'étaient là, somme toute, que pour balayer des idées, assimiler la revendication sociale, politique, à une scorie de l'esprit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a une autre forme de trouble obsessionnel compulsif qui nous est plus familière. Demandons à Charles, en quoi ça vous a affecté? J'ai souffert de compulsions de lavage pendant plus de 20 ans. Oui, je nettoyais tout.
te dérange? Pas du tout. Il pleut? Non, non. Je suis en train de partir, Blanche. Où tu vas? Je crois que je deviens folle. Tu veux un petit café? Tu sais ce que je fais, moi, quand j'angoisse? Je nettoie à fond. Crois-moi, tu fais un vrai ménage en grand, ça calme. Tiens, Madame Gauthier, la voisine du dessus, qui est en pleine dépression. Je vais passer notre vieil aspirateur. Voici donc le résultat. Oui, les obsessions à thèmes agressifs sont également assez fréquentes. Il s'agit dans ce dernier cas d'une phobie d'impulsion. Ce qu'on appelait auparavant la phobie d'impulsion, c'est la peur de commettre un acte agressif. Hein. L'acte que le malade redoute de commettre étant interdit, parce que ridicule, odieux, sacrilège, voire criminel. There it was, the feeling of guilt. Oui, de façon générale, la peur du péché, la culpabilité, c'est un thème qui est très commun à tous les patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Pécator, le pécheur. Pécator, le pécheur. Pécator, le pécheur. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, éternel. Seul tu peux gagner ma souffrance. Help me, Father, I said. There was no help. There was only fear. Et puis, il y a un moment où on est débordé par ces obsessions. Et là, il faut consulter. Et cela se soigne très bien. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai rendez-vous chez le médecin. Ah bon? T'as un petit problème? Rien de grave? Ah non, non, pas du tout. Des papiers à régler pour la sécu. Mais tu vas dire quoi? Si, si, si. Ça, il faut le dire maintenant. Hein. Allez, là, maintenant, il faut le dire. C'est... Bah, tu dis. The blue thread of hope will lead me out of the labyrinth. Where to? Never mind. I had to go, and so I did. Where are you going, son? You know where I'm going. Mais je te promets que c'est la dernière fois, hein? Lâche-moi! Mais lâche-moi! Oublie-moi! Oui, oh oui, oh oui! Oublie-moi! Quitte-moi! 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 We're gonna be late, honey. We gotta go. No. Maintenant c'est terminé. Je ne recule plus jamais. Maintenant, c'est fini. J'ai plus sur les microbes. Ce document-ci raconte la première entrevue. Eh ben notre George, qu'est-ce qu'il y a? Oh,
ça va pas fort. Ça fait plus de 20 ans que ça dure et je sais pas si ça finira. C'est quand ma femme était enceinte que j'ai commencé à être... à ressentir des angoisses. À me désintéresser d'un certain nombre de choses auxquelles je m'intéressais auparavant. Notamment dans le domaine de la lecture. Enfin, je... Il est apparu, enfin, des symptômes, enfin, de répétition dans la lecture. Enfin, quelle conduite adopter en face de tels malades? Il est essentiel pour le malade et pour la relation qu'il a établie avec son médecin que les symptômes soient reconnus au plus vite pour ce qu'ils sont. Cela se soigne très bien. On s'est rendu compte qu'en fait, ces patients étaient considérablement soulagés par des médicaments que l'on appelle des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine. C'est merveilleux de prendre des médicaments. C'est pour ça que tout le monde, il est content, bien content. Le monde est fou, le monde est fou. La vie est belle, la vie est belle. Embrassons-nous. Il y a des médicaments, mais les médicaments ne soignent pas vraiment. Ils permettent de gérer une situation d'urgence. Simplement, il n'y a pas de drogue miracle. Et la psychiatrie ne se réduit pas à la distribution de médicaments. Et ce qui est le plus utilisé actuellement et qui a surtout montré son efficacité, c'est la thérapie comportementale et cognitive. On va lui apprendre à contrôler les manifestations anxieuses et puis on va lui demander de différer l'accomplissement de la réponse ritualisée. Ne pas prendre plus d'une douche de 10 minutes par jour. La moitié des patients obtiendraient une réduction de 70% de leurs symptômes. Dans 15% des cas, on assiste à une résistance à ce traitement. Est-ce que tout est bien propre en ordre? Êtes-vous vraiment sûr que votre émission est propre en ordre? On ne peut pas tout contrôler, que vous avez bien vérifié. Est-elle vraiment propre en ordre? De la première image, générique. Encore un petit peu. On ne peut pas tout contrôler. Et néanmoins, vous pouvez laisser aller. Bah, maintenant, c'est la vie, je pense. C'est la vraie vie. Je vis, je pense normalement, je mange normalement, je me réveille normalement. C'est vraiment une vie normale. Je peux dire que maintenant, je suis normal, dans une vie normale, voilà. جمل اللبسات وعملت براند طوالات. Est-ce que tout est bien propre en ordre? Est-ce que tout est bien propre en ordre? Est-ce que tout est bien propre en ordre? Obsessionnel, compulsif, obsessionnel, compulsif, obsessionnel. Problème mystico-phallique. Sur Terre, il y a des gens qui sont drôles, qui posent des têtes hyper bleues. Il y en a qui haussent les épaules ou qui clignent
nous disent que moi je suis un phénomène, car au lieu d'un type seulement, j'ai chaque jour de la semaine un type différent. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon bossier sort ce gris singulier.